Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter, donc, comme vous l'avez vu, le relooking de tout mon stand. J'avais été sollicitée sur Instagram notamment pour vous montrer l'installation de mon stand le samedi matin. Et puis j'avais fait un petit sondage et du coup... Il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour voir comment j'installais mon stand tous les samedis matins. Et ça fait des mois que je veux refaire entièrement la décoration du stand. Donc du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. Donc du coup, vous allez voir dans cette vidéo tout le relooking, la transformation de mon stand. Pour ce faire, j'ai acheté à peu près 250 € de fournitures, de décoration, de tissus, etc. Vous allez voir tout ça en unboxing dans la vidéo. Et j'ai pas tout utilisé parce que il y a un petit tissu parme que finalement qui n'a pas trouvé sa place pour le moment, et une grande nappe blanche de 5 mètres que j'ai acheté particulièrement pour faire le marché de Noël de Marc le 5 décembre cette année, donc 2021. Et puis je sais pas encore si je l'utiliserai sur le stand ici. C'est plutôt parce que comme je veux avoir un grand stand, j'avais pas de nappe assez grande et donc j'avais besoin d'en reprendre une. Mais sinon, tout a été mis sur le stand, vous allez voir. Comme nous sommes le 6 novembre actuellement, j'ai évidemment profité de faire la décoration de Noël, que vous allez voir en même temps. C'est pas grand chose parce que c'est vrai que j'aime pas trop investir dans des choses extravagantes de décoration de Noël qui vont finalement rester peu de temps, puisque nous on ouvre en plus que le samedi, donc il y a très peu de jours finalement avant Noël où on va vraiment profiter. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais en tout cas je vous présente tout ça, toute la transformation avant après dans cette vidéo. On y va tout de suite. Thank you.
bien voilà, voilà, comme vous le voyez, ça y est, c'est terminé. Je vous montre quelques images de plus près. Là, il va juste me rester à remettre toutes les petites étiquettes prix avant que les clients arrivent d'ici une petite demi-heure. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Grosso modo, je vous le disais en introduction, à part la grande guirlande qui est là et puis le sapin de Noël, tout restera comme ça après les fêtes. Je trouve ça sympa. Enfin, peut-être que j'enlèverai la moumoute blanche, je vais voir si ça me plaît ou de la laisser ou si ça fait trop Noël encore. Ici, toutes les bougies, les petits coffrets de Noël. Je me rends compte en vous disant ça que j'ai oublié les petits coffrets découvertes qui me restent et il va falloir que je leur trouve une place. De toute façon, il y a toujours des petits trucs que je m'aperçois que j'ai oublié au dernier moment. C'est comme ça tous les samedis, même sans changer toute la déco du stand. Donc je pense que je vais retrouver certaines choses que j'ai oublié de mettre. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est là. Ici, j'ai mis donc toute la petite gamme de la petite famille des savons de Noël, les éponges, les brosses. De toute façon, je ne peux pas toujours tout mettre 100% des choses que j'ai sur mon stand parce que tout simplement, ça ne rentre pas. J'ai essayé de prendre de la hauteur en fait. Là, le but, c'est effectivement de prendre un peu de hauteur pour pouvoir avoir un peu plus de place. Mais bon, j'ai mis beaucoup de créations de Marielle parce qu'effectivement, c'est des choses qui sont très sympas en cette période pour offrir. J'en mets un petit peu moins d'habitude, mais là, effectivement, il y a la gamme grise, la gamme bleue et puis la gamme or que j'ai mis derrière parce que qui ressort un petit peu mieux sur le fond gris. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être ça vous inspirera si vous avez des stands vous-même. Et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye !